Funka s'est complètement fait troller hier, je sais pas si t'as vu. Pourquoi? Sur Impact. Parce que sur le chat, il y a des gens qui lui disaient que... Non, j'ai raté la première game et comme il est mort directement... Que l'AK d'Impact, c'était double. Non, c'était Album. Non, c'est Check qui était Album, pardon. Et donc, ah, double Impact, oh mon Dieu. Voilà. Oh mon Dieu. Mais sauf qu'il a mis un peu plus de temps que toi à s'en rendre compte. D'accord, non, non. Mais il y avait un autre mot que j'ai oublié, mais... Et du coup, voilà, donc on a Impact, qui est franchement, qui n'est pas vraiment l'homme fort chez Axiom. Et on a Rhett, que vous voyez à l'écran. Bah alors, Rhett, qu'on a vu tout à l'heure. Son AK, c'était Mekia, d'ailleurs. Hop. Oh, quel... Tinon, t'as été à l'école funkadélique d'introduction de game, toi. Voilà. C'est lui qui m'a tout appris. Le Funk Institute. Et ça va partir en ZVZ. Yeah. Avec Rhett. Avec 9... 10 poules. 10 poules de Rhett, en effet. 10 poules de Rhett. Et là, je suis surpris. C'est du ZVZ, hein, c'est pas pareil. C'est, Ouais, mais Rhett, que ça vienne de Rhett, là je me dis, est-ce que c'est pas TLO qui joue sur le compte de Rhett? Parce qu'un 10 pool de Rhett, c'est quand même une fois. Oh là 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 là. Mais c'est parce que c'est une année bisextile. En fait, pas du tout. Oh là 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 là. Et en plus, là, vous savez ce que c'est? Ah, c'est le vrai 10 pool crade avec ça. Ça, c'est la version all-in du 10 pool. C'est-à-dire all-in, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il va miner du gaz. C'est-à-dire que, regardez, il aura 7, 8 drones sur le minerai. C'est rien du tout. À titre de comparaison, au même moment, 14 drones sur le minerai en face. Donc, c'est un gros sacrifice, là. Regardez. Et en fait, il mine avec 2 récolteurs, ce qui me fait penser qu'il va lancer un Benning Nest et faire une énorme agression où il aura, quoi, 3 Benning, 4 Benning et quelques Erling. Il n'a pas mis le troisième, là, sur moi? Ah, si, il a mis le troisième, ouais. Tu peux alterner entre 2 et 3. Je pense qu'il va être plus sale que ça. Hein. En gros, après, heureusement, Impact est parti sur pool first. Mm. Donc, il va tenir cette première agression assez facilement, honnêtement. Ouais, ça va être le timing du speed. Mais ça va être ça qui va faire mal. Donc là, on a un raid complètement all-in. Et franchement, je trouve ça ouf hein, que ça vienne de la part de ce joueur-là. C'est ça qui m'a rendu. D'ailleurs, ils le mettent en ouverture et derrière, il fait un 10 pool, pardon. C'est vrai que c'est assez surprenant de venant de raid. Allez, les Zerglings de Rhett qui arrivent. Regardez, Impact qui fait une queen, qui fait un max de Zerglings, qui va peut-être lancer une autre queen dans sa B2, dans sa main. Ça va peut-être falloir le cancel. Alors, le problème contre un 9 pool, c'est qu'en théorie, tu n'es pas obligé de le cancel, parce qu'il ne sait pas qu'il y a le gaz. Là, voilà, Rhett ne veut pas prendre la fight, 6 Zerglings contre 6 Zerglings, 8 Zerglings, il peut prendre la fight, mais il veut lancer des Banelings, en fait. Mm. Et voilà, et Impact, sans doute, c'est pour ça qu'il le repousse. Et plus les Banelings sont morphés loin, plus ces Banelings vont mettre du temps à arriver là où ça fait mal. Donc Impact plus, se débrouille très très bien là-dessus. Ouais, hein. Impact défend très très bien. Rhett qui est pas idéal là en plus qui fait ses bénéfices. Il se chie dessus Rhett en fait. Ah non, là Rhett en train de. Tu vois que c'est pas un cheeseur de base. Mais ça marche pas du tout là. Alors, ça se passe même très mal, hein. Je pense qu'il va falloir le dire à un moment. Bah là, c'est un énorme échec. Ah ouais, c'est un fail complet de Rhett. Les mecs, tu sais, les mecs qui en rajoutent quoi. Il vient de rater sa vie. En fait, je pense que j'ai jamais vu un truc aussi mal amené, quoi. je serais lui, je me suiciderais, quoi. Non, je dis pas ça. Je dis pas ça, mais... Oh, non. Mais dis, essaye de te rendre compte du coup de ce Banelink, alors qu'il n'y a même plus de drone qui mine sur le gaz, ah, tu vois, là, pour Rhett. C'est-à-dire que le Banelink, c'était tout, là. C'est ça. C'était... C'est peut-être un détail pour vous, mais je peux vous dire que pour lui, c'est un Banelink qui voulait dire beaucoup. Ouais. Là, c'est catastrophique. Ah non, c'est la fin, là. Enfin... Bah là, Rhett, je sais pas trop ce qu'il peut faire. Alors, que peut-il faire? J'ai envie de faire une question à la pompe. Que peut-il faire, mon 28, pour sortir de cette mélasse? Honnêtement, je ne sais pas. Il lance un drone. Alors, certains dans le chat suggèrent Hunter, GG, Hunter, F10N. En raccourci clavier rapide. Là, vous pouvez voir qu'il est loin derrière, Rhett. Mais surtout, il a pas le speedling, il a une seule hatchery. Ah oui, non, là... Disons que ses chances de succès sont quand même relativement amincies. Alors là, Impact, je sais pas, il est en train de troller parce qu'il est à 4 queens. Ah, non, c'est pas très gentil ça. S'il fait un mass queen... 4 queens, 2 spines. En fait, ok, Impact pense que Rhett a continué à miner du gaz et à lancer le speeding. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. En fait, voilà. Rhett va lancer une autre attaque, un autre Banelink Bust sur B1, mais Impact a son Overlord. Il voit qu'il n'y a pas B2, il multiplie les spines, il wall. Je ne vois pas cette agression de Rhett passer. Ah non. Et en plus, il va se faire prendre sa queen. En plus, il n'y a plus de queen, donc plus de larves. Ouais, ça va être problématique quand même, effectivement. Et puis tout ça, c'est scouté. Hein. Il voit que ça mine du gaz, il voit que ça recherche le speedling.
Je veux dire, là... Oh non, on a quand même un solide 21 de population, la pauvrette. Non, la pauvrette, ça se passe quand même très 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 mal. Donc en plus, comme tu dis, c'est scouté, il va y avoir 4 queens. Donc qui dit queen dit rang bloqué, dit en plus transfuse éventuelle pour l'Espagne. Là, le temps que ça arrive, en plus, parce que le speed est quand même loin d'être terminé, il va y avoir le bâtard rouge qui sera quasiment sur la fin. Et sachant qu'il sera dans son camp, sa ripop à lui arrivera vite. Non, là, impact, je pense que... Il voit tout, hein. Il voit tout. Là, il se dit, pour une fois, je vais marquer un point pour action. Il va se morpher ici. L'arrête, il monte, il voit une spine, il voit du wall, il dit, oh là là. Mais il n'a pas encore vu les 4 queens, hein, les 5 queens qui sont en haut. Enfin, tu peux pas passer, quoi. Ah non, effectivement, l'impact est en mode Gandalf, hein. Non-chall pass. Vu. Ça s'est vu par l'Overlord qui est là. Ah non, non, mais impact, il est là, je peux te dire, je pense qu'il y a un mot qui définirait impact à ce moment précis, c'est sérénité. Vraiment, je pense qu'il doute de rien, quoi. Ça lance encore 2 spine crawlers. Oula, excusez-moi. Excusez-moi, oh, le Zergling Speed qui vient de se lancer. Est-ce que Rhett peut passer dans son all-in? En tout cas, il envoie tout, il envoie tout. Ça dit non sur le canapé, mais les bannings qui sont arrivés, qui vont choper un premier transfuse encore le Speed Crawler qui ne tombera pas. Non, il ne tombera pas. Et c'est hallucinant, mais il y a combien de transfuses, quoi? Bon, bah voilà. C'est-à-dire qu'il a balancé 10 bannings et 20 Zerglings sur GG. Et GG. Bon, c'est vrai que Rhett... Vaut mieux jouer Macron. Hein. Ouais. Non, je rigole. C'était, en fait... Ne fais plus jamais, jamais de 10 pools. En fait, c'était parfaitement géré par Impact. Ah ouais, très bien. Mais le plus important, c'est qu'il a fait mass Zergling, mais il a suivi les Zerglings de Rhett pour les empêcher de se morpher en Banning et pour s'arranger pour qu'ils se morphent le plus loin possible. Et ça, c'est ça, je pense, qui a vraiment fait mal à Rhett. Donc, c'est la réaction parfaite. GG.